Au sein du campus universitaire Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le jeudi 1er août 2024, de nouveaux affrontements ont opposé des étudiants et des policiers. À l'origine, un mouvement de grève entamé par le syndicat estudiantin. Selon Sié Kambo, secrétaire général de la FESI, son organisation proteste contre l'arrestation, il y a quelques jours, de plusieurs étudiants. Nous avons entamé une manifestation pour réclamer la libération de nos quatre camarades qui sont en prison depuis 2 mois. Qui doivent bientôt faire les 10e session, c'est ce que nous demandons. Si on ne les libère pas, on sera obligé de maintenir la pression jusqu'à ce qu'on les libère. On n'a rien contre que ce soit venu. Je ne voudrais pas que certains étudiants fassent une grande qualification. C'est un droit fondamental pour les enfants de Côte d'Ivoire. Pour ce que nous demandons, ceux qui maintiennent encore nos camarades en prison, nous les demandons de venir. Malgré la violence des affrontements, aucune victime n'a été enregistrée dans les deux camps.